Ok. Et nous nous sommes si loin, toujours derrière on s'en nous guérit, vite à ma bassa, qu'est-ce que c'est? Et nous nous sommes si loin, ¡Gracias!
Yeah.
Le jeudi 27 octobre 2022, le jour où seront organisées, où sont organisées les obsèques officielles du prophète de l'Éternel, son éminence Dizolé Lempoum Wafidouswa Isaac. Vous le savez, le prophète de l'Éternel a rendu l'âme depuis le 20 août dernier, et depuis lors, toute l'église, tous les cassécistes se sont mobilisés pour lui réserver des hommages dignes de ce nom. Et aujourd'hui, c'est comme je venais tout à l'heure de le dire, c'est l'organisation des obsèques officielles. Et je ne suis pas seul pour commenter cette journée, cet événement. Je vais le faire avec d'abord mon confrère de Lingala, de français, pardon, Prédi Fika. Bienvenue Prédi Fika. Merci, bienvenue à vous aussi, prédicateur Alain. Oui, qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que c'est les obsèques officielles, les hommages officiels au roi de l'Éternel. Mais depuis la disparition du prophète de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Ok, d'abord les gens peuvent s'étonner pourquoi ça pue du temps. Mais effectivement, quand on voit la dimension de cette personnalité spirituelle, une grande dimension spirituelle qui nous a quitté, je citais son éminence de l'Empoumou, Wafidouswa Isaac, prophète de l'Éternel, il fallait vraiment s'asseoir pour pouvoir bien planifier les choses. Alors dans des canevas qui nous a été communiqué par la suprématie, via le premier souverain pontife, son éminence de l'Empoumou, Isaac, chef de l'église, il était prévu le premier jour, donc hier, c'était d'abord un carnaval motorisé qui a sillonné pratiquement tous les coins chauds de Kinshasa et tous les coins chauds où se trouvent les grandes paroisses de l'Ébénin. C'était ça en fait, donc après la sortie du corps de la mort, le corps a sillonné les ruelles de Kinshasa et puis voilà, donc c'était ça, ça s'est passé par la résidence aussi à Rigini pour chuter à la morgue. Et puis le deuxième temps, c'était la veillée mortuaire qui a eu lieu justement ici à l'esplanade du Palais du Peuple pour rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits et pour nous avoir donné ce grand homme qui nous a légué un message important qui sauve plusieurs âmes dans ce monde. Bien avant d'arriver au message que nous a légué cet homme de Dieu, nous allons donner le programme du déroulement de la journée d'aujourd'hui. Le programme va débuter à partir de 11h avec une prière d'ouverture qui sera dite par le révérend apôtre Teddy Kamombo Félix. Et il y aura un mot de circonstance qui sera prononcé par le modérateur. La chorale Yves Pro, homme donc union, vocal prophétique homme, va chanter une cantique. La lecture biblique sera faite par le révérend apôtre Ngembo Maswangi. La méditation d'aujourd'hui sera faite par le révérend apôtre Lubini Irma. La prière d'action par le révérend apôtre Tumbabuma Anastase. Et puis viendra l'étape de l'oraison funèbre qui sera faite par le secrétaire permanent. S'en va suivre le mot des enfants biologiques, les mots de la membre de la famille par le prédicateur Fenuel, le mot des petits-fils par le prédicateur Dizolé Lensoumbou Guélor, le mot de la fondation par le troisième souverain pontife et coordonnateur. Il s'en suivra la décoration à titre posthume par le chancelier des ordres nationaux et puis la bénédiction finale
par son éminence le chef de l'église Isolé Limpungu Isaac, premier souverain pontife. S'ensuivra le recueillement des dépôts des gerbes, des fleurs, selon l'ordre de préséance, sous l'animation de la fanfare, et puis le retour de la dépouille mortelle à la morgue. Et juste après le retour de la dépouille mortelle à la morgue, qu'est-ce qui va se passer? Juste après le retour du corps à la morgue, nous aurons certainement une autre activité, c'est-à-dire que les gens vont rester sur place ici pour pouvoir continuer à louer l'Éternel notre Dieu, pour continuer à chanter pour la gloire et l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Donc les programmes vont se suivre, les programmes ne vont pas s'arrêter. En attendant, on arrive.